Démontrer des mensonges, des foutaises, y'a plus personne d'honnête. On joue la game, on veut juste bien paraître. Mais avec moi, il faut faire mieux parce que je vois clair dans ton petit jeu. Bullshit! Bullshit! Bonjour, mon nom est Olivier Martineau et bienvenue à Bullshit. C'est correct de bullshiter, tout le monde le fait. C'est juste plate quand c'est nous autres qui se fait bullshiter. Fait que c'est ça, là, je voulais rénover le sous-sol, peut-être faire une chambre à coucher, un beau bleu ciel, quelque chose tranquille. Non. J'arrête tout de suite. Faire une chambre ici, c'est pas une bonne idée. Ah, c'est bien trop humide, ce serait mieux de faire une piscine. Là, présentement, l'humidité, tu le sens pas, là, c'est parce que l'eau est sèche. À cause de la pyrite. La pyrite? Où ça, tu vois de la pyrite? Ben justement, la pyrite, ça, c'est invisible, c'est dans l'air, ça. Tu le respires, puis tu le sens même pas, là. C'est comme un gaz. Anyway, pyrite pas pyrite, là, ton sol, il est pas standard. Comment ça? Manque un pouce. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? Ce que je peux faire, je peux creuser un pied dans ton mur. Parce que ton pouce qui te manque, là, c'est un pouce, oui, mais c'est un pouce en glaise. Quand tu creuses un pouce, ben, il remonte un pied en glaise. En glaise? Oui, puis creuser dans une anglaise, c'est pas facile. Ça va prendre une pépine. Une pépine? Et tu vois bien que l'escalier, il passe à peine, ma bonne femme. Comment tu veux qu'il rentre une pépine là-dedans? Oui. C'est pour ça qu'il va falloir que je casse ton escalier, mette une rampe, commence tout de suite, là. Non, on n'a rien signé, il n'y a pas de garantie. Je te garantis que si tu me fais signer quelque chose, tu vas être dans le trouble. C'est ça que je te garantis. Michel, entre le filage. Mais c'est quoi ça? Le filage? Ouais. C'est du filage. Ouais, mais il sert à quoi ton filage? Je le sais pas, c'est du filage. Je le sais, mais je ne savais pas, moi, que la pyrite c'est invisible. Je te rappelle. Oh. Quoi, oh? Oh, oh. Un gros oh? Oh. Mais c'est quoi? T'es sur un cimetière indien. Ça, tu vas avoir un gros problème de champignons. Et là, comment qu'on règle ça? Avec une autre pépine. Une deuxième pépine, mais il n'y en a même pas une! Je le sais, là. Le désavantage, c'est qu'il va falloir casser ton mur pour la faire rentrer. Puis l'avantage? On va pouvoir faire des combats de pépines sur l'heure du lunch. Bon, c'est quoi l'affaire encore? Le filage. Ah, c'est à ça que ça servait, pour la lumière? Aucune idée. Pourquoi mais ça va coûter ça encore? Ben, c'est pas une question de prix, là. Ça dépend de toi et de combien d'argent tu veux mettre. Ben, c'est pas, mettons, 2000. Ben, tu dis 20 000? 20 000? 20 000! It's a deal, baby! Bon, là, écoute-moi bien, toi. Allô? Allô? Oui, il est où? Bullshit. Avec qui vous êtes venu? Je suis venu avec le fantôme de mon père. Puis mon chat caramel. C'est parfait, on vous laisse tourner la roue. OK. Oh! Malheureusement, ça a tombé sur le 100 000 $. Oh non! Et on jase la prochaine fois? Oh, il n'y aura pas de prochaine fois, j'ai 109 ans.